voyez ce que le sous-préfet me demande. Et il me dit, oui, partez, partez. J'ai été très poli. Je le dis ici parce qu'il va suivre. Je lui ai à aucun moment manqué de respect. Mais je voudrais seulement lui dire, en respectant sa fonction, il ne faut plus que cela arrive. Il ne faut plus que ça arrive. Parce que, vous voyez, venir au siège de mon parti, il me dit, partez. C'est comme si quelqu'un venait chez vous, il vous dit, sortez. C'était discourtois de sa part, alors que je n'avais été que poli avec lui de bout en bout. Mais il ne faudrait pas qu'il s'y essaye, ni lui, ni quiconque. Ni lui, ni quiconque. En plus, il vient dans mon village, dans mon quartier de naissance. Parce qu'il a des gendarmes et des policiers, je ne sais pas sur quoi il compte. Hein. Ne continuez pas la provocation. Quand nous disons que notre option fondamentale, c'est changement dans la paix et par les urnes, ce n'est pas parce que nous sommes des poltrons. Ce n'est pas par peur. Je l'ai dit là-bas et je le redis ici. Nous ne cherchons pas la bagarre. Mais si la bagarre nous cherche, nous ne fuirons pas la bagarre. Le patron de la territoriale assure du soutien des gouverneurs. Les gouverneurs vont encadrer la CAN. Nous avons dit, tout un chacun de nous, nous devons tous être les ambassadeurs. Le Cameroun est communément appelé Afrique en miniature, terre de promesses, terre d'hospitalité. Ce sont ces valeurs que nous devons promouvoir pendant les 30 jours que dureront la CAN. Cela tout en lançant des piques à Maurice Kamto, sans le citer. Faire la bagarre, il faut avoir les mains et les pieds. Et politiquement, pour avoir les mains et les pieds, c'est les députés à l'Assemblée nationale, c'est les sénateurs au Sénat, c'est les maires et les conseillers régionaux. Alors un homme politique qui n'a pas cette représentation pour nous est hors jeu politiquement. Alors s'il dit qu'il veut la bagarre, ça veut dire qu'il veut récupérer l'ordre public. Et à celui-là, nous envoie un message simple. S'il veut nous servir le vent, on va lui servir la tempête. Oh my God! Oh! S'il veut servir la tempête, on va lui servir le tsunami. Tu vois? S'il veut servir la tempête, on va lui servir le tsunami.